Bienvenue chez Hoho Kamedi. Après ma présentation tout à l'heure, j'ai décidé de vous montrer comment le bédou magique se passe chez moi. Comment le bédou magique produit d'argent. C'est le bédou magique que vous voyez devant moi comme ça. Regardez très bien. Alors, je vais vous expliquer comment ça se passe. Pour le bédou magique, il y a trois formes. Il y a un qui produit 200 000 par jour. Le bédou magique que vous voyez devant moi, il y a un qui produit 200 000 par jour. Il y a un autre qui produit 500 000 par jour. Et le troisième produit 1 million par jour. Donc, il faut que personne ne vous ment en vous disant qu'il peut vous faire bédou magique qui va produire plus de 1 million. C'est faux. J'ai hérité ce travail que je fais ici-là. J'ai hérité de mon père. C'est depuis mon enfance et c'est dans ce temps-là que mon papa fait ce travail. Jusqu'à sa mort. Donc, ne vous trompez plus. Il y a trois formes de bédou magique que je viens de vous dire. Il y a un qui produit 200 000 par jour, 500 000 par jour et 1 million par jour. Et pour le bédou magique, il y a deux conditions qui sont très, très nécessaires. Je dis bien très, très nécessaires. Toi qui as fait le bédou magique et ça a commencé déjà par ce produit d'argent, tu dois choisir dans chaque mois-là, tu dois choisir un jour. Si c'est la date 5 là, si c'est la date 6, tu dois choisir un de ces jours et l'argent que le bédou va produire ce jour, tu dois envoyer dans ce temps. Et on va faire rituel. Chaque mois, tu dois choisir un jour. C'est toi-même qui dois choisir un jour qui est convenable pour toi. Et on va faire rituel dans ce temps. Je ne dis pas que aujourd'hui il y a des faux marabouts et il y a des vrais marabouts. Il y a des marabouts qui font très bien faire leur travail. Oui, là je n'en disconviens pas. Ils connaissent leur travail et ils respectent, ils sont rigoureux dans leur travail et ils font très bien. Mais parmi ceux-là, il y a aussi des faux marabouts. Parce qu'il y a des enfants, j'ai aidé beaucoup des enfants qui ils sont déjà naqués, ils sont venus chez moi et je les ai satisfaits. Donc faites beaucoup, beaucoup attention. Je ne peux pas dire maintenant ce marabout il est faux, ce marabout il est vrai. Mais parmi les vrais, il y a des faux. Et parmi les faux, il y a des vrais. Alors regardez bien. Je vais vous montrer maintenant comment ça se passe, le bédou magique. Comment ça produit d'argent là, je vais vous montrer. Donc regardez bien. Regardez très bien le bédou magique. C'est ça. Regardez bien le bédou magique. Vous allez constater qu'il n'y a rien dedans. Regardez bien ce que je suis en train de dire. Parce que je ne veux pas que demain on dise que je suis faux. Regardez bien. Regardez très bien dedans, il n'y a rien dedans. Vous voyez un peu? Alors, regardez encore bien le bédou magique, il n'y a rien dedans. Ok, ça tombe très bien. Koumendi, ça tombe très bien. Alors, mes chers enfants, regardez très bien. Je vous ai montré tout à l'heure le bédou magique. Vous allez constater dans l'intérieur qu'il n'y a rien dedans. Alors, regardez. Regardez avec moi. Regardez très bien avec moi. C'est un bédou magique qui a produit 200 000. C'est l'argent ça. Regardez très très bien. C'est juste pour vous montrer qu'il y a un talisman dedans. Mais je ne peux pas vous montrer ce talisman. Parce que tout à l'heure, je vous ai montré, je vous ai expliqué qu'une fois que toi, tu as le bédou magique à ta disposition, tu ne dois laisser personne voir le talisman qui est dans le bédou. C'est toi seul qui va voir. Si jamais tu laisses quelqu'un voir ce qu'il y a à l'intérieur du bédou, le bédou sera détruit. Et si le bédou se détruit, alors tu seras obligé de faire encore des rituels. Je n'ai pas dit un seul rituel. Des rituels. Tu vas faire beaucoup de rituels et ce bédou sera détruit. Alors tu seras obligé de faire un autre bédou. Donc faites beaucoup attention et respectez ce que je suis en train de dire. Et vous serez satisfait durant toute votre vie.